Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et tout d'abord merci de vous être inscrits si nombreux pour cette journée académique de concertation à distance qui prépare les états généraux du numérique. Vous êtes ici parce que vous avez vécu l'année dernière, vous avez été les acteurs de cette continuité qui a été une continuité à la fois éducative, pédagogique et administrative qui a été la marque de l'éducation nationale et de sa formidable résilience constaté par tous ceux qui ont pu en bénéficier. Donc il faut vous remercier une fois encore pour tout ce que vous avez fait et qui a été un vrai sujet de fierté pour nous tous. Si vous êtes ici, donc, c'est parce que vous avez à la fois porté ce besoin qui permettait aux élèves de ne pas rester au bord du chemin et que vous avez pu constater aussi les limites, les fractures numériques, et c'est évidemment de tous ces témoignages dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vos retours d'expérience, nous avons besoin de vos propositions pour la synthèse académique qui sera envoyée au ministère. Donc, il y aura, vous le savez, 5 grandes thématiques qui seront abordées dans cette journée, et notamment celle que je viens d'évoquer, celle de la fracture numérique qui a posé problème à bien des égards et qu'il faut trouver les moyens de résorber. Celle aussi de la nécessité de créer une culture professionnelle numérique commune, celle évidemment de la nécessité de pouvoir enseigner et apprendre par le numérique, le besoin aussi d'avoir un numérique responsable et qui soit souverain, et puis bien sûr le besoin d'anticiper la gouvernance et les enjeux pour l'avenir. Pour tout cela, c'est vous qui êtes la plus grande force de proposition et vraiment nous attendons beaucoup de cette journée. Et il faut vous remercier d'avoir accepté d'y participer, de l'enrichir par vos contributions. Et je veux remercier aussi tous les organisateurs, les animateurs des ateliers qui vont vous encadrer durant cette journée. Remercier enfin le réseau Canopée Centre Val-de-Loire et la Banque des Territoires qui accompagnent l'organisation de cette journée académique. Je vous souhaite donc une très belle journée de travail et je vous remercie pour le temps, l'expérience et tout ce qui... grâce à vous, pourra enrichir ces états généraux du numérique. Très belle journée et encore une fois, merci.